Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour le 9e Let's Play sur Spider-Man Miles Morales. Lors du dernier épisode, Miles Morales avait réussi à s'intégrer au groupe de l'Underground en y passant par Finn. Bien sûr, je ne vais pas spoiler le jeu ou les anciennes vidéos. Si vous souhaitez savoir comment il a fait pour s'intégrer dans le groupe de l'Underground, regardez les précédentes vidéos. Donc sur ce, on y va. Alors, vous avez des points de compétence. Ok, donc je peux choper des nouvelles capacités. Un nouveau mode de lentille. C'est aussi longtemps que le mode furtif est enclenché. D'accord. Augmente les chances d'obtenir des munitions de gadgets. Intéressant, je prends. Je peux pas... choper de costume. Oh Dieu, non, pas celui-là, il est dégueulasse. Donc. Alors là, j'ai pas trouvé compris. Salut les amis. Soit je dois les rejoindre. Monsieur Jameson a appris que j'étais, je sais pas, producteur, une groupie de Spider-Man. Et maintenant, il voudrait que je débatte avec lui. Jameson est un habitué des débats et c'est un journaliste accompli. Donc, même si j'ai raison, ça veut pas dire que je vais gagner. Dire la vérité ne suffit pas toujours. C'est souvent à celui qui parle le plus ou le plus fort. Mais ce débat va quand même avoir lieu. Je m'en voudrais... Si j'arrive à découvrir ce que Finn veut faire d'uniforme et à lui reprendre. T'avais raison, Gonky. L'Underground est partout. Ils vont peut-être se faire undergrounder. Une blague pourrie de Gonky, aussi pourrie que les miennes. Ah, la tour Avengers, derrière. Barrière électrifiée. Ah. Et pas qu'un peu. D'après ta tenue, tu t'es mangé 300 kilojoules. Et t'as juste fait aïe. Ça doit être grâce à ma bioélectricité. Ils peuvent pas produire tout le courant sur place. T'as une piste sur la source d'alimentation? Okay. Plusieurs. Mais ces câbles vont me guider. Barrière électrique, 100 mètres. Ça plaisante pas. Ils sont peut-être mis à flipper après mon petit numéro à la tour Fisk. Quel culot! Hier soir, un pompier tout pourri près de Westwood Bridge. Il n'y avait personne dedans. Il était fréquenté par des gens de Roxanne, c'est ça? Non. Okay. Les King Kerrard voulaient qu'on fasse diversion avant de vous attaquer le camion de Roxanne. Sympa ton nouveau squat! Y'a pas un fantôme quelque part? Ils savent que je suis là, mais je m'en fous. Je vais vous dire maintenant. Est-ce qu'ils m'ont vu ou pas? Je crois pas, non. Hop, hop. Je sais, je me suis très très mal affiché. Ah merde, t'as tout entier. Ça a l'air de faire mal. Il est où, lui? Ah, merde. Oh là, je me ferme. Tu pourras jamais le voir. Pas tout seul. Oula! Je crois que je vais mourir. Oh, oui. Oh.
alors soit... Ouais, je vais aller m'attaquer à un autre angle. Enfin, un autre endroit, je veux dire. Ah la lopette. Je dois vider ce générateur. Ah, je suis très silencieux là, je sais, mais... Ok, j'en ai vidé un. Et tout va bien. Les autres, maintenant. Je sais pas pourquoi faire ça juste en restant appuyé sur carré. Bon, bon maintenant vous savez hein les gars. Ah déjà ? Oh d'accord. C'est plus rapide que le groupe. Hein. Cool, cool, ça avance bien. Bon bah il reste plus que deux groupes. Ils sont où les autres ? Ah ils sont encore par là. Ah ok, ils sont tout en haut là-bas. Ok. À partir du robot ou pas. Ouais. Santé.
Il est où l'autre? Ah, il est là. L'underground, c'est fait. Le générateur, c'est bientôt fait. Il est où l'autre? En bas. En haut, pardon. J'ai une équipe, c'est-à-dire qu'une fille veut m'embrasser. C'est un dicton que j'ai entendu dans ma famille, ça. T'as aucune chance contre l'eau. C'est bon, ils sont morts. Là. Ça a marché. La barrière n'est plus alimentée. Pari pour la destruction. Maintenant, faut que j'aille là-bas. Ah non. Merde. Je suis rendu. Par là, ça menait au grand auditorium. Mais c'est bloqué. Oups. Il y a peut-être un escalier. Ou un ascenseur. Et celui-là, par contre. Si, je pense à un truc. Et si tu disais à Finn que tu es Spider-Man? Hé, hey Finn, non seulement je t'ai menti pour rejoindre ton club, mais en plus c'est moi le relou qui essaie de t'arrêter. Ouais, d'accord. On va bosser sur la formulation. Un silo blindé géant, c'est prometteur. Bon. Je suis désolé, mais la vidéo va déjà se terminer puisque j'ai pas envie de vous faire revivre une deuxième baston comme il y a eu là à l'heure actuelle. Je me dirais que ça serait vraiment un épisode chiant déjà. Pour l'instant, je le trouve chiant parce que je parle pas, j'ai presque rien à faire. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire et un abonnement ne ferait pas de mal. Sur ce, à bientôt tout le monde pour de prochaines vidéos. Money!